j'ai eu un petit souci. Donc dites-moi ce que vous voulez et puis. Bah, je vais prendre un jus d'orange et un champagne. Ah, bah, très bien, je vous Donc un jus d'orange, un champagne, s'il te plaît, Ellie. Je prends les notes de tout ce qui est commandé. Ouf. Oui, bah, écoutez, prenez votre temps, nous on y est, on commence à faire chauffer les verres, monsieur. Comment ça faire chauffer les verres? J'ai loupé un épisode. Eh chef, derrière l'avocat là, viens là. Ouais, dis-moi. Le gouverneur lui paye un verre, tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Bah, whisky. Oh, punaise. Whisky. Merci. Ah. Allez, prendre un double de whisky. Monsieur Aprio, buvez quelque chose. Un triple whisky, s'il vous plaît. Ça va aller, monsieur. Salut, Bol. Ok, ça marche. Sans glaçon, hein. Sinon, tu vas me le donner. Sans glaçon. On retrouve dans Mademoiselle. Et du coup, monsieur le gouverneur, que souhaitez-vous avoir? Ah, bah écoutez, vous avez des jus d'orange, quelque chose sans alcool, si c'est possible. Oui, alors sans alcool, j'ai du sprink, du cola, du jus d'orange, du jus de raisin, et un cappuccino. Eh ben, je... Oh, c'est pas vrai? Si, j'ai du cappuccino. Eh ben, je vais prendre une vingtaine de jus de raisin, s'il vous plaît. Et la petite cerise sur le gâteau, ça sera un cappuccino. Ah, une vingtaine de jus de raisin. Il fait ses courses au supermarché, voilà, carrément. C'est formidable, hein. Je crois qu'on va se régaler ce soir. Ah, c'est monsieur Fio qui l'a porté. Alors. Oui. C'est de briques d'un litre, hein. Je retrouve en vous la petite flamme qui va allumer le feu, vous voyez. C'est formidable. Ah bon? C'est super. Oui. Ah, bah, comment allez-vous, en fait? Ça se passe mieux pour vous? Alors, je vais faire la facture. Ça se passe super nickel, merci. Téléphone, pardon. Oui, quand on parle de facture, j'ai un coup de fil. C'est bizarre, mais c'est vrai. Non, mais vous restez là. Pardon, je reste là. Au pire, on sait où vous travaillez, monsieur le gouverneur, faites gaffe. Ouais. Il finit toujours par payer. J'imagine que c'est quelques voix en moins, hein, aux prochaines élections. J'ai appelé quelqu'un, bien sûr, qui est allé voir de suite, je crois que... Oui, quelques voix en moins. Ouais, il faut faire attention à ça. Ah, on avait déjà un triple whisky, au fait, on vous l'a servi? Attends, j'attends. Faut d'abord qu'il paye, hein. Non? Ah, tu préfères t'occuper des commandes... Non, serre-le, je fais la commande, là, je suis en train de calculer. Tu préfères t'occuper des commandes des autres, donc celles que j'ai faites, plutôt que faire les tiennes, tiens. J'étais occupé. Dave, écarte-toi, s'il te plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît, mon super VP. Oui, on en reparle un peu plus tard, parce que j'ai les revendications. Ouais. Merci VP, vous êtes vraiment le meilleur des VP. Et le seul. Merci beaucoup. Dave, tu bois un truc, c'est monsieur le gouverneur qui paye. Ne vous inquiétez pas, merci beaucoup. Ouais, mais moi, whisky. Du temps consacré, merci. Ça va être un allongé. Ouais. Vous savez pas du rhum? Est-ce qu'il y a un cocktail bien. Si. Oh putain. Il faut rajouter un double whisky pris par Dave. Ah, molto bene. Ah, ben vous avez changé de chemise du coup. Ouais, je me suis changé, c'est un peu plus classe. Ouais, mais alors moi je lui ai dit, faut pas boutonner jusqu'en haut parce que là on dirait que là c'est un prêtre quoi. Un vieux prêtre. Avec un début de calvitie. Ah oui, c'est. Un prêtre. Écoute, quoi, je mets de l'huile de ricin tous les jours, donc je sais pas où tu la vois ta calvitie. Facture est prête, monsieur Dozy. Oui, et puis comme vous dites parfois des gros mots, je vois pas où vous voyez le prêtre en lui, madame. Non, je plaisante, ça c'est une blague, moi. Et tu es au courant que l'huile de ricin, il faut la laver après, parce que tes cheveux, ils font gras un peu, là. Quoi? Il faut laver l'huile de ricin? Ma vie est un mensonge. Oh, il faudra qu'on aille acheter à manger, hein. Votre patron revient, monsieur Gent. Voici la bonne nouvelle. On a des petits trucs à grignoter, si vous voulez. N'hésitez pas, c'est chips, cool. Saucisson, cacahuètes. Oui, mettez un peu de chips pour tout le monde. Chips, saucisson, cacahuètes, faites la distribution. Très bien, avec grand plaisir. Oh. Ça fait combien tout ça? Mais un de chaque à tout le monde. Ouais. Donc. Oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je veux que tu m'ajoutes une vodka encore, s'il te plaît. Je vais me la payer. Monsieur Donovan n'est pas de sortie, mademoiselle. Et après, elle est en train de calculer d'abord. Il est en train de passer son P-Word. Ah, son PPA là, c'est ça? Ah, vous avez dit mot interdit. Oh, j'ai dit mot qu'il fallait pas. J'en peux plus, je vais le tuer. Après, PPA, ce nom PPA, je le tue. Je pourquoi? Oui. Et Chips, tu. Et Chips, tu peux me remettre goût barbecue, s'il te plaît? Mais d'accord, j'ai compris. Je lève les mains, madame, s'il vous plaît, ne me braquez pas. C'est quartier, peut-être. Ok, je vous braque là. Allez, donne ton portefeuille. Mais il se passe quoi là?
Ben, je pensais que la dame voulait venir au comptoir, vous voyez, mais en fait, c'est la dame. Ah non, putain, tu l'as vu, c'est mon doigt, c'est pas mon arme. Ok, bon. Hop, petite culture à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Formidable. Hein. Ils mangent pas les Robocop? Voilà la facture. Les Robocop? C'est qui Robocop? Ça en fait, hein? C'est je vais te bourrer, moi, j'arrive plus à suivre la conversation. C'est a priori, Jonas. Ah ouais, merci. Ah ouais, merci. C'est cool. Ah merci, monsieur. Vous êtes demain, ils prennent rien. Monsieur, vas-y. Ah, je sais pas, mais vinaigresser, là, un truc, là. Oui, je vais leur demander quand même qu'ils participent. Quand même. Hein. Ben, quand même, un peu de respect. Je crois que je vous ai payé les deux factures, je suis pas sûr, parce que vérifiez si vous pouvez, parce que vous avez en ce moment non, je plaisante. Vérifiez. Oui, c'est bon, elles ont été payées. Ouf. Très bien. Où sont mes deux agents, mes deux cartes du corps? À l'entrée, à côté de la salle. Merci, monsieur Prio, vous voulez boire quelque chose? Allez boire, monsieur, on va être tout à l'heure. C'est vrai? Monsieur Barson, oui. Venez boire quelque chose si vous le désirez, venez. Mais Barson est incroyable. On vous a déjà servi, très bien. Et parfait. Eh ben écoutez, mais quel service extraordinaire, hein. Ah ouais. Moi je dis toujours, je vais installer, vous savez quoi, vous savez, j'ai une idée formidable qui me vient à l'esprit, là. Je vais installer le tequila là, dans le gouvernement. Non mais imaginez l'accueil, hein. Les gens ils arrivent. Oui bonjour, je suis nouveau, excusez-moi, je cherche... monsieur, vous voulez boire quelque chose, regardez, tequila là, machin. Formidable, je vais faire ça, je crois que je vais faire ça. En plus c'est du métal, on peut mettre un groupe de métal dans un bureau aussi. Le gouverneur. Ah, quelle est la condition, oui. C'est quoi la condition? On puisse fumer à l'intérieur. On puisse fumer à l'intérieur. Pardon. désolé, hein, c'est un bar fumeur ici. Oui, non, mais ça me dérange pas plus que ça, vous savez. Ouf, quand même, je prends sur moi. Ouf, c'est pas que ça me dérange, mais j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois. Alors il m'arrive encore, je vous le dis honnêtement, ça reste entre nous, hein. Parce que quand même, c'est un peu personnel. Il m'arrive encore de rêver que la nuit je fume une cigarette. Mais je vous promets que c'est vrai. La nuit je me réveille comme ça, enfin non, je rêve, pardon, je me réveille pas. Et dans mon rêve, il y a quelqu'un qui m'offre une cigarette. Ouais, vous voulez une cigarette? Comme ça, votre rêve devient réalité. Non, s'il vous plaît, non. Ouais, c'est moche de faire ça, c'est moche, hein. Voilà. Vous avez une femme, monsieur le gouverneur? Non, à Saint-Andréas, non. Un homme, non. Je pourrais te parler? Ah, merde, c'est le téléphone. Il n'y a pas de soucis. Désolé. Comment tu vas? Téléphone. Oui, au pluriel, j'en sais rien. Ouais. Au pluriel. Ok. 19 ans, et donc. C'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille. C'est personnel ce que je vous dis là. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Est-ce que vous m'avez mis quelque chose de bizarre? Non, j'essaie de faire connaissance. Dive Music. Pardon? Ok, alors est-ce que tu peux dire s'il te plaît ou ça te trouve le cul? DJ Music, s'il te plaît. Ah, quelqu'un qui respecte son VP. Oui, ah, c'est pas par VP, dans tous les cas, t'es mon employé. S'il vous plaît, mon super VP. C'est... Mais moi, c'est pas une question de VP, hein. Moi, c'est une question que c'est juste mon employé, donc je m'en bats les couilles. Nickel. Oui, c'est pas grave, savoir si j'ai ou si j'ai pas, si je suis pas, c'est pas important. Quoi, voilà. Vice-président. Ah, voilà. Ok. D'ailleurs, lisez la petite phrase en bas de son cuir, c'est rigolo. Ouais, ah bah ouais là, je suis pas trop en état de lire, pour le coup. Mais j'ai essayé, hein. Vas-y, lis à voix haute, je veux entendre. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur le... C'est marqué où, sur le cuir? À l'arrière. Zilost. Lost, c'est ça? Zilost, ouais. Ouais, Zilost, ouais. Zilost, ouais, MC. Don't follow... Don't follow me, I'm lost too. Ouais, mais attendez, j'ai un peu de temps. Ah, bah oui, don't follow me, I'm lost, mais oui. Parce que lost, ça veut dire perdu en fait. C'est des gens qui ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire, c'est ça? Mm-hmm. Ça veut dire ça, non? Pas en anglais. Monsieur, ah ben voilà le spécialiste. Ah, oui. Monsieur, est-ce que lost en anglais signifie que. Pas en anglais, dans l'autre langue, bien sûr, en anglais. Mais est-ce que ça signifie que vous êtes perdu? Ça dépend du contexte en fait. Alors, non, mais c'est. Bon, il faut recontextualiser.
Ah, ah c'est bien. Ça. En 1782. Donc, c'est les soldats de la Première Guerre mondiale qui sont rentrés et qui, comment dire, étaient un petit peu mal perçus par la société et se sont regroupés et ont formé des MC, dont les Lost, qui font partie des premiers. Et en fait, ils se sentaient, comment dire, égarés. D'où le nom de Lost, de perdu, de gens marginaux, loin de la société, en marge. Oui, différent en fait. Je pense que c'est différent, si vous voulez dire. Si tu veux discuter. Oui. Par Lost, ce serait plus égaré. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, vous savez pourquoi la bécane? Bah, au pire, on va aller en bas au calme. Pour se couper dans la rue. Dans la rue, c'est le bordel. Ah, non, je sais pas. Ah, le bruit dehors et tout, c'est chiant. Déjà. Billard est réparé, vous pouvez y aller. Ah ouais? Ouais. Ah ça c'est cool ça. Il était cassé? Ouais, je sais pas pourquoi on pouvait plus. Ah. Ok, ouais bon. Tu veux faire une partie? Ça risque d'être long. Ouais bon, on va éviter. Ouais. je me posais la question parce qu'en fait... c'est bientôt à Aïe. Je me trompe pas. Ouais c'est ça. Ok, parce qu'on a discuté quoi, deux ou trois fois. On s'est pas ouais, croisé beaucoup. Et à chaque fois on a discuté à propos de publicité ou de d'entreprise ah, ou de oui, panneaux publicitaires, donc c'est pas... C'est aussi pour ça qu'on arrête, de toute façon. Ouais, ouais, bah, j'ai cru comprendre. Hier, j'ai essayé d'appeler ton collègue, et il a écourté la conversation, donc c'était pas... Du coup, voilà. Mais en fait, si tu veux... tu vois le gars avec les cheveux rouges, là, qui est avec vous? Le mec avec la veste rouge? Ouais, les cheveux rouges. La veste rouge. Ouais. L'autre jour, je l'ai croisé au bassin Pachamemo. Ouais. Et en gros, il me dit qui il est, enfin, qu'il est nouveau en ville. Ouais. Enfin, du moins, qu'il revient dans la ville. Et qu'il vous connaît. Il m'enchaîne ça directement. Et je me dis, pourquoi il me dit ça fin. Bah ouais. Et là, il me dit, ouais, c'est des gens que j'ai embrouillés. Puis qu'après, j'ai laissé dans la merde, faut pas leur dire. Dis-leur pas que je suis là. Puis là, je vois débarquer avec lui, du coup. Donc là, je suis un peu confus, là. Bah, en fait, si tu veux, on était ailleurs avant. Ah. Et cette personne, en fait, littéralement, tu vois, c'est comme si t'étais dans un cercle d'amis et que le mec te suit partout et qu'il s'incruste, tu vois. Ah. Du coup, il s'est incrusté en tant que notre ami. Après, nous, on n'est pas des gens... On va pas lui dire, ben, dégage, tu vois. Vous avez rien fait, donc... on est devenus un peu leur ami, tu vois. Ouais, enfin, bah, force de croiser les gens, de toute façon, ouais. Ouais, voilà. Sauf que, ben, c'est pas un type bien, en fait. Il nous a foutu dans la merde. Alors qu'on était sympa avec lui, on l'a accueilli et tout. Et... Enfin, ça s'est pas très bien passé. Ok. Ouais, et ah, du ouais. coup, là, il est en train de refaire un peu pareil, tu vois. Il nous suit partout. Ah. Voilà. Ok. Ok, ok. Ouais, moi, ça me donne une idée de la chose, tu vois. Je vais éviter de traîner avec lui. Ouais, bah après, tu fais comme tu veux, mais... Ah, dit comme ça, ouais, je m'en doutais un peu, de toute façon. Ouais, bon bah. Je m'en doutais un peu. Ok, ok. Bon bah, écoutez... Enfin, écoute, je veux dire, fais attention, quoi. Ouais, bah après. Voilà, okay. Moi, je vais pas t'embêter plus, hein, écoute. Au moins, je connais le fin mot de l'histoire, parce que franchement, c'était bizarre. Le mec, je connais ni Adam ni Dev, et il me sort ça. Bah, si tu veux, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on a dû déménager à cause de lui. Ah ouais, carrément. On s'est retrouvé sans domicile à cause de lui, parce qu'en fait, il a contracté une énorme dette auprès de personnes malveillantes. Oh, ouf, ouais, d'accord. Il s'est fait kidnapper. Et pendant son kidnapping, parce qu'il devait rembourser ces personnes, bah, il a donné notre nom en disant « Ah, mais eux, c'est mes amis, ils ont de l'argent. » Ah oui, d'accord. Il vous a mis dans la sauce complète, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, ces personnes-là sont venues tout retourner chez nous. Ils ont tout cassé, ils nous ont tout pris, on n'avait plus rien. On a dormi dans la rue pendant 2-3 semaines. Enfin, bref, c'était la merde. Ok, ok, je vois. Ouais, compliqué. Ouais. Ouais. Je vais pas dire ce que j'aurais fait, mais ouais. Pas cool. Ok, ok. Ah ouais, je vais clairement éviter de le croiser, lui. Ça va ouais, pas faire. Ouais.
Et après, t'as des mauvaises surprises, ouais. Ah, je déteste ce genre de truc. Oh, non, non. Ok, ok, bah merci en tout cas. Bah, de rien. Vous pouvez venir quoi, ouais, non, mais. Ok. Mais je pense que cette personne va être amenée à disparaître. Hein. Bah, s'il fait le con, oui. Oui, bah, c'est sûr. Ça va arriver, c'est sûr. Ouais, je crois que t'en as vraiment envie. Bah, disons que chasser le naturel, il revient au galop. Ouais. Ouais. Ça, et puis Mathieu, du coup, collègue, il est très, très, très remonté contre lui. Donc... Ouais, j'ai cru entendre tout à l'heure dans le bar, là. J'ai entendu une bruit de conversation et ça disait, ouais, vaut mieux pas que je sois tout seul avec toi parce que ça va mal finir. J'ai entendu ça, je me suis dit, oh putain. Ouais, ouais, vraiment. Je pense que vaut mieux pas qu'il le croise dans la rue tout seul quand je suis pas là parce que. Ok. Il va finir à Bonnybrook. Parce que j'ai hésité à vous appeler en fait quand j'étais justement au lac Allemand. Quand il m'a dit, faut surtout pas les prévenir. Mais et il est moi, parce que il te dit ça et. Ouais, mais il en savait rien que j'avais vos numéros. Ouais, mais tu sais qu'il nous a appelés après. Ah, parce qu'il a vos numéros en plus. Oh, pff, bah, je sais pas comment il les a trouvés, mais il a trouvé le numéro de Mathieu et il l'a appelé, il a dit devine qui c'est. Ouais, il a dû le trouver sur Twitter, une connerie. Je sais pas. Non, parce qu'on l'a mis nulle part. Mais... Enfin, je sais pas. Il a dû demander à quelqu'un. Il a peut-être demandé au Gouv. Ouais, bah, j'espère qu'il ne l'aurait pas donné, mais. Ouais, bah ça va. Bah, ça va. On donne pas le numéro des gens comme ça, quoi. Bah, il y a des gens qui le font, ou ça arrive des fois dans une conversation, ou... enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça, moi, va, je le fais pas. Ça dépend du contexte après. Ouais, c'est clair. Bah, après, un type comme ça, moi je lui donne aucun numéro. Bah, ouais, clairement, oui. Bah, je lui ai rien donné en fait, je lui ai rien dit. Après, il nous a fait un coup, on était avec Nashka, mon pote il revient pour pêcher l'aimant avec moi. Lui il est resté à côté, puis il est resté figé comme une feuille morte, il parlait pas. Il a, fallu que Nashka il commence à l'effrayer avec son arme pour l'autre, il commence à réagir. Ouais, ça m'étonne pas. Ah putain. Je l'ai même pris en photo. Il s'en est pas rendu compte. Donc si jamais t'as besoin, une photo de sa tronche. Mais vraiment, ouais. Une photo bien zoomée de sa tronche. Hein. Tu peux pas faire mieux. Un jour, il y aura des affiches recherchées mort ou vivant. Ah, c'est ça, si t'as besoin. Après, peut-être pas. Ouais. Peut-être se détendre un peu, parce que bon, c'est un peu violent, mais ouais, on verra. Bah, disons que s'il peut être le plus loin de moi possible, moi ça me va. S'il peut être le plus loin de moi possible. Ouais, bah ça après, tu peux toujours porter plainte ou quoi, pour voir déjà, pour commencer. Non. Mais après, ouais, faut que... Ah, c'est que... Ouais, bref. C'est un manque que je ne veux plus trop... Ouais, bref, on va pas en dire plus, hein, c'est déjà beaucoup. On va remonter. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, ouais. Mais, ouais. On peut pas l'éliminer. On va tous en passer tout de suite, histoire. Ouais, mais on peut pas l'éliminer comme ça, tu vois, c'est pas possible. Ouf. J'ai vu des choses. C'est-à-dire? Non, moi j'étais médecin avant donc. Ah! Tu sais, une erreur médicale. Donc c'est ça. Pour ça que tout à l'heure dans la salle ça disait ouais, elle va retourner aux EMS. Ouais. Et que tu disais sûrement pas. Ok, ok. Oh non, les gens ils ont aucune reconnaissance. Je supporte plus les gens, je risque de les tuer. Ouais, bon, ouais. Ouais. Alors ça va, pour moi je suis allé qu'une seule fois à l'hôpital. En deux. La fois où je me suis fait, comment dire, agressé par les gars de la favelas dans le garage. Ah ouais, bon après, pas ça ouf. Arrive. Ouais. Mais ouais, non, j'en pouvais plus de voir les gens, par exemple, prendre des ponts à 200 km/h et me dire, bah non, j'ai rien. Des ponts, comment ça? Il y a un mec... C'est une histoire vraie que je te raconte. Hein. Alors, je sais pas s'il était fou ou quoi, mais. Il y avait une tache de sang sur le plafond d'un pont. On va voir le gars. Et il nous dit hey, regardez, c'est ma tête, elle a frappé contre le pont là-haut parce que je suis passé par le pare-brise et tout.
Mais regardez, je vais super bien et tout, et il se met à courir. Aïe. Le mec, on l'a appelé le chewing-gum. Chewing-gum. Ok, je vois. Voilà. C'est insupportable. Ouais, bah ouais, c'est la vie des EMS, quoi. S'il y avait plus de cas psychologiques de breakage, je pense. Hein. Ouais, bah ouais. Même si c'est pas mon truc. Ouais. Après, vous voulez vite, je vais pas m'en cacher que moi, je roule très vite. Enfin, quand je suis tout seul. Tu peux rouler vite, mais si tu... Ouais. Bah, si t'assumes, enfin, comment dire. Ouais, voilà. On se comprend. Après, quand je suis avec quelqu'un dans la voiture, j'évite de rouler comme un déglingo comme je fais solo. Faut foutre la vie des autres. Tout le monde roule vite. Bon, pas moi, mais. Ouais, bah, ça, c'est autre chose. Ah, ouais. Chacun son style après. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend avec quoi tu roules aussi après. Ouais, bah moi je m'en fous, comme je cherche pas la vitesse. Là. Ok. Les voitures ça m'intéresse pas. Ok. C'est pour ça que tu ne me vois jamais d'ailleurs. Mais je t'avouerais que ouais. Et... C'était tout le temps Donovan au volant du 4x4. Ah mais c'est lui qui conduit tout le temps. La dernière fois je vous ai vu, ouais. Du coup, vous êtes marié ou... Non, pas encore. Pas encore, ok. Ça fait un an qu'on vit ensemble. Ah oui, c'est bien avancé. Ah, c'est cool. Bah, félicitations, ouais. Écoute. On peut dire ça à l'avance. Ouais. C'est cool. Ok. Bah, écoute, on va remonter, je pense. Hein. On va remonter, il n'y aura plus personne. Oh, ils auront fermé l'établissement, les lumières. Ils vont être là encore. Ouais. Ouais. Ah non, ça va. Si, ils sont là. R.E. R.E. Mmh. Ah, ça sera un vodka pour moi, s'il vous plaît. Il est parti sur le gouverneur ? Ouais, même double, en fait. Il est sorti devant, il arrive. Le rhum. Non, ouais, bah attends. Il faut une vodka, Eli, s'il te plaît. Non, deux, s'il te plaît, deux. Et mademoiselle, vous voulez quelque chose ? Pour l'instant, non. Deux vodka, s'il vous plaît. Merci. Oui, elle arrive, ta vodka, elle arrive. Non, deux. Ah, deux. J'en ai pris deux. Merci, attends, je me recule. Ah ouais, c'est qui? C'est les vignerons qui vont nous fournir ça, non? La facture a été faite ou pas encore? Ouais, en partie. Pas encore, je veux bien. Ok, je m'en vais. Tout ce qui est alcool fort, c'était eux aussi, non? De quoi? Tout ce qui était alcool fort et tout, c'était eux aussi? Ouais, c'est eux, ouais. Mais j'ai des prix réduits. Ah ouais, alors c'est bon. Ouais, t'inquiète, je gère. Oui, allô, bonsoir, ça serait pour passer une commande de 100 bouteilles d'alcool fort, s'il vous plaît. Achou ! Ah oui, il a pas le temps. Ouais, c'est ça. On va manger un petit bout avant de se détruire. Attends, mais il est en train de passer commande alors qu'il est dans un bar, ouais, là. Ouais, oh, je parle tout seul. Ah, ok. On a envie de le faire sortir grandi de seconde en seconde. Je disais, je vais manger un petit bout. Ouais. Avant d'enquiller votre cœur. Ouais, on va le garder jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'éplucher et de le manger. Non. Est-ce que vous avez du cocktail de la mort là où je sais comment ça s'appelle là Technique, très technique. Comment il a appelé ça un HK, putain. Hop, une deuxième, allez hop. Oh oui. On va plus grand chose là, oh putain. Ah oui, au téléphone. Faut aller doucement sur l'alcool, hein. Ah bah t'inquiète, ça va, tu peux aller. Faut pas que ça finisse en vomi partout, hein. Non. Après c'est nous qu'on nettoie, hein. Oui, pas de soucis, non mais t'inquiète pas. Pas à nous. C'est Paul qui nettoie ici. Paul? Y'a pas que Paul, non. C'est qui, Paul? Parle de qui? Ah mais vous êtes spécialisé là-dedans. Vous avez un passif. Non, moi je suis la patronne. Toi t'es en dessous de moi ici, jusqu'à maintenant. Donc oui, t'as beau être mauvais P, hein, si je te demande de nettoyer le sol, tu nettoies le sol, hein. Oh merde. Je vais chercher du Tafire. Burger Shot recrute. Ah, tu crois que je vais mettre un putain de pull Burger Shot, hein? J'ai cru comprendre, ouais, que t'avais fait le plein. Il va me frapper. Ouais. Pas de baston. Non. Putain, oh, niquez vos darons. Et ouais, niquez daron. Niquez votre daron, mon super VP. Elle va en prendre une. Oh là, tu te démerdes, Heidi. Elle va en prendre une.
Ah bah non. Bon, c'est bon, j'ai fait le plein d'alcool. Ouais. Écoute. J'ai 500 bouteilles qui arrivent. C'est bon. Ouf. Oh la femme. Tu vas mettre ça où? Dans ton bar. Faut pas. Alors faut pas le déclarer officiellement, hein, monsieur le gouverneur. Hein. Je déclare quasi rien, monsieur le gouverneur. Dans le casier, juste à côté de tous les documents administratifs, il y a déjà 140 bouteilles de. Alors, de vin, attends, je t'annonce. Tu crois qu'il est au courant que j'ai un grossiste que j'ai demandé? Mais non, mais par contre, les deux là, c'est des mongols. Jésus, il est avec nous pour faire des courses. Ah, tu sais, ils sont un peu à la ramasse. Hein. Ouais, ils m'ont buté de rire. T'as le gouverneur. C'est quoi comme course? Je suis curieux. Juste avant leur discours, vous savez, il y a les gentils motards, les méchants motards. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous êtes les gentils motards. Attends, jamais de regarder. Oh putain, je viens de voir, l'alcool il m'a fait des. Oh, il m'a fait des ravages dans l'intestin. Oh merde, ouais, je vais bientôt tourner à mon activité favorite. Un alcool fort, je tombe, net. Je reviens, j'ai demandé au médecin s'il peut pas me mettre un pansement anti-drogage sur l'épaule. Ok. J'ai rien compris. Ah, rien, il va se faire un petit dégrisement gratuit à l'hôpital. Ah ouais, c'est vrai que l'hôpital à côté, oh putain. Ah ouais, on est bien placé. Si une passe dans ici, on les emmène. Ouais, c'est... C'est une place de luxe, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Une place de luxe. Comment ça va? Ah bah ça va, Hippo. Ça va, ça va. Ouais, tout le monde est parti. Ouais, y'en a, ils discutent dehors. Les survivants sont là, nous, moi je suis là, en tout cas. Bah moi j'aime bien être un pilier de bar, en général. C'est mon cas. Du coup, quand il y a un bar ouvert, je viens tous les jours. Ah, c'est. Alors tous ça, les jours, non, mais... Ah si, si, tous les jours. Non, c'est bien, j'y reste un moment, quoi. Tu t'es changé, Dave? Ah bah oui, tu t'es changé. Oui, il a mis un pull. Il avait froid. Je te rappelle que tu m'as mis au sol et que j'ai fini avec une belle tache de terre sur ma chemise blanche. Bah ça, c'est mieux, ça. Ah, c'est la meilleure dimension, ça. Allô. Ah, je vous laisse avec les clients. Faut que j'aille aux toilettes. Allô. 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 Oui. Oui. T'es pour Bénise? Ce sont des piliers de bord. Est-ce que t'es marqué comme quoi t'es au taf et que tu reçois les appels? Bah que t'es non. Ok. Non mais c'est Jésus. Ok. Ah non, oui, c'est, voilà. Non mais c'est pour savoir. Non mais c'est pour ça. C'est ce que je me doutais. Non mais ça marche. Je suis pas au service. Ok. Ouais, parce que je sais pas ce qui s'est bon, passé. J'en ai marre de taper, tout attends. C'est bon, attends. Il y a trois personnes qui m'ont appelé pour me demander si le Bénis était ouvert, si j'allais venir pour réparer leur véhicule. Et je leur ai dit mais moi c'est Jim. Bah oui Jim. Du Bénis. Non. Il y a trois personnes qui ont enregistré mon numéro, mais ils se sont trompés. Jus de raisin. Non, mais de toute façon, oui, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est jus de raisin. Jésus, on s'en bat les couilles. Hein. Non, c'est bon. Non, je démissionne, je demande à Non, mais oui, non, mais on s'en bat les couilles, c'est Jésus. Ce soir, c'est mort. C'est quoi le problème avec le jus de raisin? On a un bar. Ok. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Demain, je suis pas là, mais je suis au bar, je me torche. C'est pas souvent qu'on se voit en costume, hein. T'as vu? Le gosse en costume. Ouais, bah, ouais ça mange des jus de cheveux de chapeau. J'ai lâché le nom. Allez, laisse mon chapeau tranquille, toi. Hein. Et arrêtez de dire que je sens un pseudosi, bordel. C'est le chapeau. Mais quel chapeau? Attends. C'est le chapeau. Comment ça, attends? Ah, c'est. Le chapeau que t'as tout le temps, c'est le même que Dozy. Avec une coupe, peut-être une autre couleur. Mais c'est exactement. Ah, attends, je vais demander au bar. Et... Un prix au pif, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que je ressemble à pseudosi, comme ça? Non. À qui ça? Merci, oui. Merci, Aïe. Oui. Non, mais, non, mais toi, non, t'es non, toi. Non. Dis à Aïe qu'elle se trompe là. Dis-lui que c'est Jim et qu'il ressemble. Non, de derrière. Ressemble. De derrière. Bah, tu ressembles à Dossi. De devant, okay. Oui. De derrière, attendez, regardez-moi de derrière. On va tous mettre son cul, c'est parti. Bizarre. De derrière, c'est excuse-moi, c'est Dossi de derrière. Non, pas... ouais, peut-être, bon, c'est un costume. Non, c'est au niveau des épaules, c'est pas pareil. Non. Ouais, mais après, ouais, vous avez pas connu Dozy en costard aussi, c'est pour ça. Okay. Bon, Dozy. Ouais, mais après, Dozy, ça fait deux semaines qu'il est au moins avec la même chemise. Non. Dis à Mathieu et à Aïe. Alors, il était dans la chemise hier. Tu ressembles à Dozy. Ah, Mathieu est pas là. Ah, c'est Kyle. Mais ouais, du coup, ouais. Non, apparemment, il a vu la même chose quand je lui dis ça. Ah bon, bah, il est où? Perdu quoi? Perdu quoi, du coup? Il est quelque part dans le nord.
Quelque part dans le nord. Ah, voilà, monsieur Lynch. Non, mais Jim, je pensais qu'il est. Jim, je suis pas putain. Moi, j'ai chuté. Waouh, vas-y, Jim, je te laisse. Ouais, nice. Allez, ciao, monsieur Lucy. Oh putain. Alors, tout à l'heure, monsieur Lynch. Du whisky, du cola, du cappuccino, du champagne, du vin rouge, du jus d'orange, du jus de raisin, du rhum, de la vodka, de la tequila. Vodka, s'il vous plaît. Eh ben, on va prendre de la tequila. Et en nourriture, on a aussi du saucisson, des cacahuètes et des chips. Ah bah du saucisson, hein, oui. Vous m'avez dit une tequila et du saucisson. Oui. J'ai un peu augmenté le volume parce que j'aime bien ça. Ah bah tu peux. Tu fais chier, Dave. Je peux avoir une vodka, s'il vous plaît? Ah bah alors moi je serais vraiment pas permis, bon, Vous servez ou pas du tout? Oui, ouais. C'est tout bon, ouais. C'est tout bon. Bougez votre fiac, s'il vous plaît. Attends, je fais semblant de travailler. Une vodka, c'est ça? Ouais, merci. Au moins, c'est honnête. Tu vois, elle fait pas semblant. Ah oui, au moins, elle est honnête. Alors, je fais la petite facture. Ouais. Non, mais elle fait pas semblant, regarde, elle me sert et tout. Eh. Attends, je fais ça. Vous êtes un cow-boy? Non. Ok. Vous mettez sur les poneys? Peter, on... Moi, je bosse à la ferme, mais bon, je parle quand même. Ah, voilà. Ouais, mais vous êtes un cow-boy. Vous avez le chapeau, vous avez l'arme. Vous êtes un cow-boy. Ah, il est où le canasson? Attendez, vous avez l'arme. Ah, ok. Il est où le canasson? Ah, bah, il est à la ferme. Il faut venir avec si vous êtes un cow-boy. Oh, ça fait un peu loin. Bon. Bah, mais je vous mets dans la brouette et je vous pousse. Ah, oui, oui, oui. Le canasson? C'est plutôt pas mal, non? C'est qui l'artiste, Dave? Attends, tu vas me dire que t'aimes bien? Non. Moi, j'aime c'est pas. Exodus. Exodus. Ah ouais, c'est pour être comme sûr ça, qu'elle écoute jamais. Je peux jamais écouter Exodus, voilà. Je te taquine, mon super bébé. Dave, si tu aimes bien les sons comme ça, tu mets current, du current. Oh, attends, déjà, je dois régler le compte à quelqu'un là. Est-ce que tu peux mettre ton splendide fiac en travers du bar, s'il te plaît, Médélis? Bah t'inquiète, c'est le cas. Non. Oh non, c'est de la triche, ça. J'aurais ce que je voudrais. J'ai dit non. Il la pousse, okay. Et c'est l'autre qui passe devant. Oh là 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 là. On dirait une course de Formule 1. C'est con. Ah merde. Bon, maintenant elle est sortie, tu peux y aller. C'est plus mon problème. Ah. Elle est plus dans ma propriété. C'est au moins la troisième fois que je fais la face ce soir. À partir du moment où elle est dans la propriété, ok, y'a pas de soucis, mais là, elle est merdée, oui. Ah bon, on est pas loin de l'hôpital, c'est déjà ça. Ok, Dave. Dave! Oh wow. Alors, comme ça, on va me fuir. La cage. Ah. On va pas remettre ça. Ah ouais, t'es sûr? Prends la mandale. Mais y'a des combats de catch aussi, c'est... whisky s'il te plaît, whisky. Vas-y hein. Là faut apprécier pas un qu'on regarde hein. Ah bah là, ouais. Oh là là, l'esquive, oh là là, le crochet, le coup de pied, le coup de... et l'esquive, oh là là. Là, le coup dans le foie. Oh là là. Ah, oh le coup de coude, oh là là, il doit... Pour le coup, la musique, elle va bien avec le contexte. Hein. Oh là là, la joue. Oh, l'esquive. Oh, encore la joue, la pommette. Oh, ben, mais. Ils ont l'habitude de se frapper, ça sent, hein. Ouais. Oui. Oh, elle vient de lui péter la mâchoire bientôt. Oh, là. Merde. Voilà. Ouais. J'étais sûr. Combien de fois je vais devoir faire ça? Faut l'emmener à l'hôpital, faut pas qu'il m'emmène, hein. Non, pas l'emmener à l'hôpital quand même, non. On va lui mettre quelques glaçons, là, de la glace. Eh ouais, au pire. Je te jure. Je voulais vraiment. Attends, tu l'as mis KO là? Eh, relève-toi quand même! Parce que. Ça va aller! Je peux pas faire et l'avocat de la défense et l'avocat de l'attaque. Donc relève-toi s'il te plaît. Tiens, ah putain, ça va, j'ai eu peur, putain, je me dis attends. Ah voilà, elle s'est relevée d'un coup. J'ai eu peur, je me dis attends, il m'a mis de la mis KO complet. Il suffisait de dire comme quoi je peux pas faire l'avocat de la défense et de l'attaque en même temps et puis elle s'est relevée, c'est chelou ça.
Ah, faut pas s'inquiéter, ça devient une habitude ici. Je coucherai rapidement. Parce que j'ai beaucoup bu. Oui, c'est l'habitude. Pas une excuse, Dave. T'as pas vu mes lunettes? Attends, mais il est quelle heure? Ah ouais. Actuellement, il est 22h38. Ah ouais, 23h23. Tu t'en vas. Faut que j'aille récupérer toute ma grosse commande de coffre et après je reviens. Moi il faut que je récupère ma grosse commande de choses utiles pour faire des courses. Allez, les deux là, la place de mais Jésus est parti. Mais non, Jésus il est à droite avec. Oui, il est à droite dans un. Il est entre deux bâtiments. Ah non, ils ont pas fini. Ah non, là ils viennent de commencer la peine. Quoi? Qui ça? Qui? Quoi? Au pire, tu as dit qu'il restait un crochet, non? Le goût, mais je on suis. On va aller faire un cambriolage. Mais dis pas ça. Ah non, 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 attends, faut que j'appelle la SSD avant qu'il fasse ça. Maisons, vous avez rien entendu, hein, monsieur? Ouf. Eh, vous êtes pas trompé sur la facture? Non, 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 vous en faites pas. Ouais, on s'est tous posé la question pour la première facture, vous en faites pas. Hein. Ah oui, c'est moins cher que gratuit, non? Bah, moi je croyais vous qu'il en faites un pas, zéro, il y a une raison pour que ce soit ce prix-là. Ah, ok. C'est parce qu'en fait, quand vous lui passez 80 dollars, elle fait un investissement en placement. Oui, bonsoir, vous avez... Si vous préférez, il y a énormément de produits que je paye moins cher, et du coup, tout ce qui va venir du vigneron, je vais le même mettre au même prix pour pas lui faire de concurrence. Mm-hmm. Et puis moi, mon but, c'est pas de faire du bénéfice sur les ventes que je fais aux clients. Ah oui, bon, faut quand même que ça tourne, hein. Mais vous en faites pas, hein. J'ai une production de carton de bouteille et ça rapporte bien plus que ce que je pourrais vendre aux clients. Ok. Bon. Donc du coup, les consommations comme ça, c'est juste un petit bénéf, quoi. C'est juste pour dire de faire rentrer un tout petit peu d'argent. Ok. Si ça marche. Et faites-moi confiance que là, ce soir, il y a eu du rendement, hein. Même si c'est pas cher, il y a eu énormément de rendement. Comme on a des produits qu'on peut pas trouver ailleurs. Oui, bah oui. Voilà. Bon, on va profiter. Bien si ça s'est bien passé l'inauguration. Ah, très très bien passé. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. C'est cool, c'est plutôt cool. En plus de ça, il y a un billard en bas. Oui, il y a un billard en bas, si vous voulez aussi. Il est gratuit, ça par contre on le fait pas payer. Ça prévoit des bonnes soirées là. Si vous avez un petit billard là, c'est sympa. On compte organiser des tournois de billard. Ça va être sympa. Ah bah oui. Non, bah, c'est un lieu sympa ici, il y a une petite scène, il y a de quoi faire des trucs. Alors celui qui veut mettre de la musique, alors bien sûr du rock ou du métal. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est la grosse enceinte à droite. J'ai testé. L'autre droite. Non, 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 celle-là. Ah. Je pense que depuis tout à l'heure, il a vu tout le monde aller là-bas. Je sais pas, apparemment, moi, la musique que je mets, ça ne plaît pas à mon VP. Mais ouais, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des petits artistes qui traînent à droite à gauche. Très bien, c'est vrai que les bars qui étaient ouverts avant, c'était un petit peu. Il n'y avait pas trop d'activité, c'est bien s'il y en a un qui peut. Bah là, je compte vraiment le faire bien tourner un peu tous les soirs quand même. Et derrière, il faut que je vois s'il y a des personnes qui ont des petits talents, des conneries comme ça, pour les faire monter sur scène et ils auront un petit billet à la fin. Oui, bah oui. Voilà, ça c'est du bon son. C'est une instru, y a pas de chant. Mais c'est la bonne guitare. Un truc tranquille quoi. Mais qui me bourrine bien. Ah oui, si vous voulez fumer, le bar est fumeur, hein, au passage. Ouais, mais je fume pas, donc ça sert. Ouais, je préfère prévenir hein, que le bar est fumeur. Parce... Oui.
Mais il y a de fortes chances qu'ils connaissent ton VP. Ton VP, VP, je sais pas comment tu dis. Oui, je pense. VP. VP. Dans 5 minutes, je vais au shérif. Et dans 5 minutes, je lui achète un chargeur de grande capacité, je lui dévalise sa munition, je lui achète une lampe torche, je lui achète une poignée et je lui achète un MK2. Ah. Bah, faites gaffe, le chargeur va pas sur le MK2. Ouais, il va pas dessus. Il va que sur le normal, apparemment. Oui, c'est ça, oui. J'ai acheté le MK2 et le chargeur. Et du coup, je vais acheter le normal aussi. Mais si vous voulez venir, moi c'est bon, j'ai le numéro là. Là, d'ici 5 minutes, j'appelle et puis j'y vais. Oui, non, bah c'est pas pressant. De toute façon, j'ai pas forcément l'argent. Dites-moi, monsieur l'avocat, vous avez pas un truc à grignoter là de bien costaud? Si. T'as vu que le burger shot est H24 fermé là en ce moment? Tu m'as donné à moi. Ouais, vous avez été voir la petite borne s'il y a pas des trucs? J'ai pas trop le temps. Genre, pendant une heure avant l'ouverture, j'ai fait que courir à droite à gauche. Merci. Genre, vraiment, pendant une heure... Attends, ouais, parce que du coup... Attends, mais dans 5 minutes, je vais voir les flics. Mm-hmm. Ah, mais attends, il faut que j'aille faire une cellule de dégrisement avant que j'aille, sinon ils vont me foutre en cellule. C'est vrai que... Surtout s'ils vont voir les shérifs, hein, faut le temps de monter. Hein. Ils sont pas redescendus du nord, justement, les shérifs? Ah bah normalement, l'inauguration, c'est demain. Donc je pense d'accord. Que c'est pas encore ouvert. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas trop suivi, je vous avoue. J'avais d'autres choses en tête. Bah. Genre, comment faire chier mon VP demain? Voilà. Bah, y a eu du monde au tout début, c'était noir de monde, là y a plus personne, c'est incroyable. Ah, il est mort. Les gens ont toujours beaucoup de choses à faire. Hein. C'est déjà sympa, t'es devenu. Hein. Mm. Franchement, ouais, on s'est dit, bon, on note les consos et on voit à la fin, on n'a pas le temps de noter les consos. On avait trop. Ouais, bah après, vous pouvez toujours faire la différence si vous saviez ce qu'il y avait au début, quoi. Oui, je savais à peu près ce qu'il y avait, donc du coup, j'arrive à me repérer. Ouais, quand il y a du monde, c'est difficile hein, de tenir la comptabilité en même temps que de distribuer. Oh oui! Surtout que la compta, elle est compliquée d'utilisation. Là. Bah, le coup à faire, c'est de noter sur un petit paperasse et de faire le compte à la fin. Ouais. Ça, c'est pratique. Un petit bloc-notes et puis hop. Hein. Ça, c'est ce que je fais au Beniz, des fois. C'est ce que je fais. C'est ce que je faisais pardon, quand j'étais au taxi avant. Plus simple. Et en fin de journée, boum, tu notes tout. Après, Beniz, c'est moins. Laisse, dis-toi qu'à tout moment tu peux être appelé pour le Beniz là ce soir, je pense. Moi ? Hmm. Pourquoi ? Parce que je le sais. Ouais, j'ai pas envie de dire un peu. Si tu savais depuis quand je suis debout. Je crois que tu j'imagine fortement. T'inquiète pas. J'ai pas trop envie d'être en service là. Je suis bourré sans être. Enfin, je suis bourré nature là. C'est bon, ta cellule de dégrisement s'est bien passé? Moi? Tranquille. Ouais. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes alcoolisé, prenez une bouteille de whisky, tout ira mieux. Ah bah oui. Bonsoir, monsieur Lynch, comment allez-vous? Bonsoir. Ah bah ça va et vous?
Oui, très très bien, je vous remercie. Hein. Ah oui. Bon, très bien. Mais attendez, ah. J'y pense, monsieur Nozzy. Oui. Et qu'est-ce que mon patron était censé me dire en fait? Oui, de la musique. Est-ce que votre après patron... Après celle-là, ouais. Ouais, on sent rien. C'est pas une des 40 minutes? Parce que vous me demandiez s'il m'avait dit quelque chose, mais... Non, non, c'est Ness qui m'a mis. C'était comme ça, c'était pour dire que je disais ça. Hein? Oui, monsieur. C'était pas ça, je n'ai pas parlé ce soir. Oui, bien sûr. Je commence à m'inquiéter un peu. Est-ce que vous avez du whisky? Est-ce que vous pouvez mettre 5 whisky, 5 champagne? Ah, mais c'est quand même qu'on peut mettre autre chose, attends. Alors, attendez, je prends note et puis je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous avez du champagne? Alors, monsieur Olinz. On m'a dit 5 whisky, 5. On achète du champagne. 5 champagnes. Ah bah non, 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 non. Moi j'ai pris de la tequila, hein. je me suis fondu dans la masse. On a de la tequila, on a du vin rouge, on a du rhum, on a de la vodka. J'ai du tequila là, de la tequila. Ah bah vous avez bien. 5 de chaque alcool? S'il vous plaît, madame. Un verre à la fois. Ouais. Vous voulez du saucisson aussi, des cacahuètes, quelque chose? Non, ça ira, ça ira. D'accord, ça marche. Monsieur, a priori, vous buvez de l'alcool? Non, monsieur, non, c'est juste pour participer à qu'on n'a pas vu ce soir. Ah, parce que très...
comprenez? Ouais. Oui, 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 je comprends. Donc voilà, sachez que... Vous êtes tranquille. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Ah, je vous en prie. Bon, allez, je vais aller prendre à boire. Merci beaucoup, mademoiselle, pour tout, pour l'accueil de mais ce soir. Quoi? C'est moi qui vous remercie. C'était génial, franchement, j'ai pas pu... Ce que je disais, j'ai pas pu apprécier la soirée, c'est dommage, mais... Voilà, j'ai eu des coups de fil très importants, hyper importants, enfin, même plus que l'importance. Donc, j'ai pas pu... Voilà, profiter, c'est comme ça, un gouverneur, c'est un peu bizarre. C'est déjà bien, vous êtes passé, c'est très gentil de votre part. Ah ben, merci beaucoup. Vous avez des bouteilles de champagne? Oui. Ah. Je vais vous en prendre 20, s'il vous plaît. Ça marche. Voilà, je sais, je me dis toujours, peut-être qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un événement heureux. Saint-Adrien. Il y a des gens dans le bureau aussi, non? Et donc, je me dis, vaut mieux avoir des caisses de champagne d'avance pour l'événement heureux. Mais attention, quand je parle heureux, je sais pas ce que ça peut être. Ça peut être quelqu'un qui a une promotion. Ça peut être. Quelqu'un qui a 18 ans. Comment? Hein? Votre fille qui va avoir 21 ans pour la majorité. Mais c'est pas vrai, j'ai pas de fille. Je vous ai fait marcher. Je suis bien par contre. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, je me dis, il va se passer quelque chose un jour, un événement, etc. Ah oui. Et au moins j'aurai ça, j'aurai les bouteilles pour dire, tiens, ben voilà. Mais vous savez, je vais vous dire honnêtement, des fois, il m'arrive, une fois tous les 3 mois, un soir comme ça, où on est un peu en forme, et qu'il est très tard, vous voyez, 2h, 3h du matin, et qu'on a travaillé, on a eu une journée difficile à charner, on a combattu toute la journée. Et ben, une fois tous les 3 mois, ben, des fois on se réunit, on va à la plage, et puis on sort le champagne. Non, oh, mais ça fait du bien. Ouais, mais c'est très très rare. Je crois que une fois tous les 3 mois, c'est même pas ça, c'est une fois tous les 6 mois que je fais ça. Et encore, même peut-être une fois par an, parce que je sais pas fait souvent. Mais bon, je sais qu'une fois je l'avais fait, donc... Bah écoutez, merci beaucoup pour tout. C'est moi qui vous remercie. Et moi je repars au travail, bien sûr, et... À bientôt. Et merci beaucoup, et merci encore pour votre accueil, vous et la dame qui était avec vous. Vraiment, et puis le monsieur aussi qui était là, merci beaucoup. Il y a vraiment pas de quoi, merci à vous. Et on reviendra, c'est sûr. Oui, monsieur. On y va, monsieur David? J'ai pris les bouteilles, non? Oui, mais moi j'ai pris, mais juste avant de partir, je vais laisser un pourboire pour d'accord. Qu'il est là. Allez, on est parti. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de quoi, hein, monsieur Dazy. Merci. Une petite minute, monsieur Dazy. Vous pouvez me faire une facture de 10 000 $? C'est un cadeau qu'on offre pour ce qu'il est là, s'il vous plaît. Bien sûr. Et une facture pour moi aussi.